Le logo έχει για 1,5 λεπτό. Pour le groupe ALDE, pour une minute et demie, Madame de Sarnez. Monsieur le commissaire, nous disons tous la même chose et c'est bien naturel. Au fond, si les terroristes ont frappé la Tunisie à 2 reprises en 3 mois, au musée du Bardo et à Sousse, c'est parce que la jeune démocratie tunisienne est en train d'aller bien. C'est parce que la transition démocratique se déroule bien. Et c'est ça que les terroristes essayent de viser pour mettre à fin et pour mettre à mal. Donc évidemment, ça implique que notre Union européenne soit présente aux côtés des Tunisiens et aux côtés de la Tunisie d'une façon plus importante encore que ce que nous avons fait par le passé. On doit être présent sur le plan de la sécurité, vous l'avez dit, sur le plan de la gestion, par exemple, et du contrôle des frontières avec la Libye, ceci est une évidence. On doit être présent sur la question du flux migratoire. Il faut que nous gérions avec eux ces flux de migration tunisiens et européens. On doit être présent, évidemment, au plan économique. Vous avez parlé de remettre de l'argent et de donner ce que nous devions donner. Il faut aussi aider à ce qu'il y ait des projets durables dans le temps. On va avoir un accord de partenariat, on va travailler sur un échange de relations commerciales. C'est très important que ça se fasse au profit de la Tunisie, en préservant des secteurs qui sont vitaux pour elle, comme certains secteurs des services ou de l'agriculture. En tous les cas, il est absolument évident que notre Parlement ici vous dit une chose, l'Europe doit répondre présente, elle doit être du côté de la Tunisie et des Tunisiens. Ceci n'est pas négociable pour nous. Merci beaucoup.